Bonjour à ma team gossip et bonsoir à ceux chez qui le soleil a déjà levé le camp. J'espère que ça va bien chez vous car ici tout va bien avec des nouvelles croquantes concernant Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat et Sui Fatem, la Miss Côte d'Ivoire 2018, accusées toutes les deux de prostitution au Mali. En effet, il y a quelques temps, la blogueuse Aya Robert avait lancé des rumeurs sur la toile concernant une éventuelle relation intime entre Carmen Sama et le roi 12-12 lors d'un voyage au Mali après la disparition de son défunt mari Didier Arafat. Aya Robert avait signalé la raison de ces sorties de plus en plus luxueuses et inattendues de Carmen Sama qui ne faisait que surprendre les Ivoiriens de jour en jour. Une nouvelle réplique de cette rumeur fait encore surface où Carmen Sama et la mannequin Sui Fatem sont assimilées à des prostituées de luxe au Mali chez le roi 12-12. En effet, il se trouve que Carmen Sama et Sui Fatem ont reçu une invitation du roi 12-12 par le biais d'un proxénète appelé Mama La. Figurez-vous que selon certaines sources, Sui Fatem n'a pas voulu traiter avec l'intermédiaire Mama La, mais plutôt directement avec le roi 12-12 pour fixer le montant de ses prestations. Cependant, ils ne se sont pas accordés sur la somme que celui-ci devait verser pour les prestations intimes de la mannequin Sui Fatem, car il se trouve que le roi 12-12 est vraiment très radin, d'où son refus de céder à ses attentes. Quant à Carmen Sama, le proxénète Mama La ne l'a pas trouvée très intéressante pour le roi 12, mais il s'est chargé personnellement de prendre son coup. Et pour cela, il a trouvé que Carmen Sama était une fusée au lit. La mannequin Sui Fatem dément encore les faits pour l'instant. Elle a d'ailleurs fait une publication sur son Snap où elle dit ceci. Bonjour mes sweeties, tout comme vous, je suis très surprise d'apprendre que mon nom est cité dans une histoire qui ne me concerne aucunement pas. Je tiens à rassurer ma famille, mes amis et mes proches et partenaires que moi, Sui Fatem, je ne suis ni de près ni de loin concernée par ce que je viens de lire comme vous. Je vous souhaite un bon dimanche dans l'amour du prochain. Alors, que pensez-vous réellement de cette histoire qui concerne cette chasse aux milliardaires maliens impliquant Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat et Sui Fatem, la Miss Côte d'Ivoire 2018? Réagissez en commentaire, dites ce que vous pensez, mettez plein de pouces bleus en l'air, plein de likes, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine info croustillante.